je suis très content. Ok, merci. Je suis très content parce que les émissions que nous avons faites la fois passée, j'ai eu des échos des États-Unis, du Canada, et je suis très fier. Parce que nous sommes allés voir les engins qu'ils ont, et ils n'ont presque rien comme engin pour ces travaux-là. Hein? Surtout quand il faut asphalter, ils n'ont aucun engin pour l'asphaltage. Alors vous comprenez que c'est de l'aventure, quelque part. Hein? C'est ce qui fait des problèmes. Kassai Central, nous pouvons dire que sur le plan de réalisation, il n'y a rien. Permettez que je vous les cite. Hein? Il y a eu d'abord le projet des 100 jours. Aujourd'hui, si vous posez, vous êtes un journaliste, posez la question. Faites des investigations. Qu'est-ce que la... Il paraîtrait même que certains matériels seraient vendus. Je ne peux pas affirmer cela. Mais on doit regretter. Que voilà que tout le monde qui fume a dit ton bon à tout temps de l'empanier. Ambile va dire bien ça, bien ça, pangui génial. Je suis dans le bon du baba du tonga, bâton chacun de mon projet du mon combat parce que je bâton mais aucun autre combat n'est tout ça fait maintenant et moi. Bato kapa ma bonne pan ya bonjour le caille même parce que tu m'as dit fallait que tu aies mon projet du mon combat, mon projet de et puis je le tira comme. Chef Kalamba Mangole Nita Babu Chef Luandanda Nita Bakwe Chef Kwakwachela
chef ou koufou lwa peine moukangana. Chef ou wamba makozo, chef ou mabele nita bakwe. Chef ou kamwina sabou mboukula djoulou. Wewa chupamba chambe lwa majay. Bayende amwenda kanyimba ya lusamba. Wakumwimba mufwe kuba shanyi. Embedo wakuchiyanga nani vyapanwa pa. Pena kananga malanji jijishaye. Kujila hii wabafike. Ah, tibika la benabi njimbi bia Genor TV tujikulise ke lwa muka ba wa bluba wa lukonga balukutangila mushindu kayo jimu ya chilejelu mikala yenda kulwi na lusikeku mijimu ivumfuma jitunga mwe la patoka wa kumu mushindu wa kulonula chimenga chakananga mu komina chonsu mikala na itano jileu ujimikala umukela kulusike lwa komino wa katoka ulupita komino wa ndesha ufika komine wa lukonga na nkwawu nituye ujimu pokati ni kumanda komino wa lukonga wa kumu mushindu wa kutuanga ja komine eibiji mubulongo jibufuma jitunga mikala mwe la patoka na nkwawu tibasange la bani bitu wabikala basange jibuwa kulusike lwa kumine walukonga babikara batuleja mushindu kai ujimijumwe kachi abanga mushindu kai pitakana wetu awumwanetu eta ototo onyala lusombela kulusekelwa kumine walukonga mushindu kai ujungu na ujimijumwe ndiko ijibikala beza ya bali mitobena chileje bikala yende midu muka yeni yende bimpato walo bakubenzu bakulekelanje pawu yetu kai yendi nyako kutange nibwani batulongo lwela tunale kabene balongo lutumpangwe jinyango. Kibwala ka totulo mko jimfuma ji tongbwani atulo atutangi lampang yit ambile baje babenza bo benza pangwe jinyang taski manetu yetu weto manetu to manetu ah tibeka tsangi bwa ku seke la buka ba walukonga ni mujumu wa chilejelu ufuma ji tonga amwe la patoka bwa ku mushindo wa kuteka bena ntanda mu mushindo mwakane wa kwenda kana anyi kunyunguluka munyi kachi mujumu wa banga ku seke lwa muka ba ba walukonga ujuenda mushindo kai. Bon, merci mon yetu bokunga luka lukonko nyumwe munyume kachwa banga kachi seve mena ina e mwa ki wandani bimpato to ni tunalo tukato maya kanama mumu tunale bena pango ya pamba kubola mundu mwa mpango ni manyanga ko ntwa nyanga mumika muchini cha kanale mu ndu mwe ndo ba sambu kambo mu pango na kaika muchini meche mu mwe wandani wo bimpato kachini lo bakuli balo mboji ba mfumaji tonga nchinganyi bakuli shindu wa kuya kuya ushimi yo kumpala bana mujumwe bikale bimpa saba kinyi zamu kubona bintu babaji tonga batombo shaka no muko proje uju kuma kukumbana parce que uji batume kenu tukumbanya into sa fait maintenant et moi ba to kapa ma bodi mpa ya bonjile kai mim parce que tsima kwanza mimi fala kutu batume ko proje uju kumana ko kwanza ko dara da pe jilo te kala kuma tas ki manet merci manet ko to manet ah ko tamu kunom tu jukul seke la muka ba ba wa lukonga uju kala na kanye misha uju kala ta na mushu uju wenze la jilo bikole mushindu kai ujungu na kwa chilo mujumu wabani metubenda chile jelu kulu seke lwa muka bablo ba wa lukonga bani betuke benzo bon jile tomba nyanga jile vraiment jile ki mwenze tone tunale tuju tuweze tukati itu fuka tunyanga mpangu ya bantu bantu kaya baja jile michinka ya baba yeba bele bi kundulu bo kwenzi kimba yeji kini kwenzi kwa jile mwenye kini kwenzi kwa mujumu kwenye mpato bibi tutonde bo sotanshi tubaka nyamishu wanaka kuchena jile to kaji pabwo chijilo mwe chia ku ba fumu chibwa kwenzi bane mujila umbuka kulise ku jiba mba lwa katoka upitan desha umtanto kusikilwa lwa lukonga bajiba kwenzi chinganyi bane malwa ende byakana fo mujumulo mwe yaju tunga niye mutange ne mukontrole biko ne mutane mesen da bajibo baje mutake kemba kontrole ne kimbe nzi mujumu mwe mpato sikwela to sikima neto merci mukulo mpa me mie manyina hapo weto umuleji ah beto butatu tibia tsaji ba kulisike lwa mukaba wa lukonga tibena sans cha Genor TV balukutangila mujumu ovufuma jitonga mambo bane wezeka bakolono kwa jila wewe udisobela kusekelo mukaba wa walukonga mushindu ka ujumu nena kwa chilo mujumu wa mujumu ne kwa ivufuma jitonga mambo bane belanjile tu bujumbu kujibali bete bena bene bya baba bya bashinwa to abamba libo kutushipa bwalu mbalwa ne bantu babo ba mu bibombi bomure tunale bangi jikoseka jiruju nyanguka nti tama ngwa ni fuma ujitunga ujine bantu ujibu mwela mbimpe nchi nganyi kaji babu wewe chuchuyo lomo nchi nganyi bani mchumwe wenda dar dar ali ushike bila nishela mvu fuma ujitunga mkala mwuleji ya tuwa sri jiru mwanetu bana betu balumu kwa mino lukong bakeba biro batek bakeba bantu bajimokuikale benze mchumwe mkwa mino lukong mkwa 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 mk
kawe na mumbushi muntu kunganze kukananga de uri kumuteka mu komina urukong mukano muri kong kama ni abayi bakabwo kubokonze mu jumwe anyi tasila muleje bangwao bambile tutu beleje bwani bafinga julu lutupa mbetu bimp bakaba biro mu rukong bateka bakaba ba jambe bokonze mu jumu bakantonye bajuku biba bunyishi mushindo kwenze juru juko seko kumpa lukwenu kwa tayo foto nobeleje mumbutande bwenu Tu es là, toi, c'est qui là? Merci, il fume. Où est ton papa? Où est ton papa? Je suis là, je suis à Genor TV. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis kwa chilo mujumu mo bukena mwaka neto bo lukumendo wajiba amene kasha mantanto wakapanje kibibelo bo munga yabo baji tanto muka tok tanto mungans tanto mukana ngade tanto mu papa saint lema pinje mundesh pinje mbumbule binebi bigaji pinje byanza ngondo mushim pinje ngondo mushim katwe ntu ne balukubi ambuko kubi bakato yo be bigaji bibufuka dibwele mpango ya bantu bokunyanga mpango kilu tatulu tujitumuna Tu dis l'homme qui boulombo joie du tonga, mon ennemi du moyen chingaï, tu vois quoi? Boulombo joie du tonga, mon ennemi du moyen, tu moulombo boise. Bagabe ben moujumu bakoum, banaba fujisha ben moujumu bajibakes, kajibenjiba moujumu jo, bon kajibenjiba moujumu bajibakes. Oui, toi, mouléji. Toi, ce que dit la papa, oui. Message bien Genor TV. Ujiyuko luseke lo alukaba uluba wa lukonga. Mushindo kwa ujumu ni nani kwa chilo mujumu ujumu wenda upitera na kuluseke yuko. Eyo kwa chilo mujumu mko mene wa lukonga katoentu tu banzu kumuna bwana mujumu mko mene wa lukonga tujiba feta bantu benji ba mujumu to. Mulukonga mujiba nsonga alum mujiba tatu bakole mujiba mamu bakole. Baji mwako wangu chibuku ya buku mujumu bwane benze kumujumu bansonu ba mwuko wanga Bamanyi bwane mwabu wetu tujibasombele ujumu shindu kai ujumu nyanguka Mumu jibakale mbali bwako wanzishi mujumu banga tabana babalu maba mwuko wanga Benze biyabu mujumu bwane mujumu utu mwuko uye kumpana Ebi nukwe papa tujimu luta tulukole kato yon tuyo tubanzi kumuna tujibiyo tubalongo loketo Kato yon banzi kumuna tujibaku mbane to bwalu luta tulujiku ilukole Tuyo tuba mama bajibika la mwuko mwine waluko Tujitu enda butuku kato yon mijumu kato ene chinganyi patu tuna tumuna nzile benza zilika ji nyangu tuchiji mulu tatulu kone lwaji kema mukomino waluko mutu ibasombele meme ngalule tereze mukomino waluko nga njinsengelele ba papa bwana bele menji bimpe bakebe bena mujumu mwabu ujumu ntu sombele ujumu manji bimpe ni mwabe mwana mujumu tuto angatabu bwa muna mwakula mwabe uju wanta muntu ujulu kule ujuku ni mwako nyangu Baji banta muntu jumu musoko wende bwana atayindi bimpa na me mwezi kumpala kwa nkwanjile kuji kunyanguka bikene bwana nkwenze bimp ke mujumu tu bika na ono lutato papa wetu tasikile muleji eh yo papa tasikile wabo wetu atutu ah wetu mugulumpani ah tujikulisikile amuka babo alukonga tokula nchilu mchumu cha njila wetu jibanda betu bena bena kuji gake seti gale benza anyi bena bashinwa mujumu ufuma jitungwa mbene ujuki ile kula tu bujimbu bwa kusanisha community yonso misanga ni kulongola chimeng chakananga bwa nwe nbende usikilwa muka bwa bwa wa lukonga munyu ni muna mshindu ujibena gakset wa kwa taa mujumu wabu kulu ina lusikilu ito asilopu ni mkulu mpwa mba meyebe biyesu kwa bengi lese tembalwe muntu emu bwa kutule shiwa ane bwa jime zimatu nale tu wabu anito bwa kutule mshindu wa kweza bunjili kachache bwa zimatu nale ajibia mshindu jwa kachari mshindu jibia tu es tombé en somme, 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 Atono kujisu bwana to kumijumu yenyewe kubimbo ndio tu mswa tu kubeti mjiwa kwenzi au na shiba vidume nebiani maana nchila tu kusimwe beti tu kwenzi kumijumu yebimbo bwana yuko mpana jili tu imwe na kumimbo kuu mene papa wani tasikilima neto wewe wapu mtu jisu mbela kuseki lwa lukonga mshindo kwa ujumu na uji mujumu kala wendo wende mwe mujumu mene bashipo bonjila bashipo manzu jilo wa bantu mwenye pana ya bantu kai nyangu mbi Abang bi, beli macam tu je mahu tu cakap. Kacau bayi, kacau bayi. Aku kan ni tuas semangat beli macam tu. Anjung mana kau beli tu? Abang bi.
Merci pour la question. Bantu bakule kabene bamani jikenga ja bantu to bobani mem babo etu to bidu bishinga ni bantu bena mwa bompa buyipi bamanya balobo akulu kujensele dabor mujumu bobo bake baku kamema bantu baji environ watu to pache tu cha komini wa luko ngambi po bwachin bani turuma kumanya ni mujumu mujumu akwense kimu kadre kai bwani mvuli mujumu akulo danje mujumu akula kai to aluko jikenga chiko abutu muntu june jikenga janshil padi bobo balobe nsi mbibanga kufuka tangine bi wala wadi bifuka tani muntu bele malala ni mishete kilemo bi bifuka butike ye mufuka makere kato no makuiku muntu mulo ni alko to 50,000 100,000 watu muno makuja to na kubantu bapa bwibo bikala kubadi mwa kutravaye mujumu yubimpa mufason wani kabilu kubumbuka kabalu ko abandone kabili mukaji baba abandone muto njumu nyene bobo bake baba bantu bade papa bwipi ne bobo ba filide ya bantu bade mwa kutravaye en collaboration mu mushindu wani jile kalu kufuka musango mu kwa baba katu bwele munjike ngato titu kyanjila to sigila mane to sigila nyonyo alu mmes tujano kulisekelo a mukaba baba walukonga kutite tanta miji jimbi ba kumuna mushindu ka kuleshe bantu mushindu ji mujumu wa 100 jours aywa chilejelu ukwachibwa kulisike kulwa lukonga na kwa tibo mun bantu bashishilana tibika na pawe tumkwa mwabe oto papa eto abo mukale journaliste ujwa kulamba kwa ba kujinde jeba jine janime menje passer Laurent Chilumba musombela mulisike lwa lukonga yo papa uju kusike lwa lukonga mushindu ka uju muna mujumu wa chilejelu uvufumba jitu mwambo ane benzi ba kulongolola chimenga chakana wo bujuso bele kusikira lukonga mushituka ujumu namu mujumu wende kumkala wende wende twasa kijila wabungi mukalinga journaliste balukonga lo ujumu ela tudite tu bon voix ba kole bwa chilejele kaji pa jiba bobo ele muchenzeji tudiba pete luta tu lwabungi walubina mbio bibi bilubumbula biumbula bashiya baya bati tokula fa bika bi ufuka mujile yinyanguka toni tu butika tu kesi tu tu jambulu shi bietu boko petela bana na shuma tamba biende bi ufuka ka tu ntumuni ni biji biye bi impato vraiment an bobo bele mejimi kaji bobo bo chi yambila ufumu waji to ngamwe ne mujumwe wa kamene to balon la chimeng chakana nga komini osi ya chitano chi bi wamba chinganya tuji to ambila ufumu waji to ngobwani bulele ba joba mwenzele mujumu mupi mujumu wakali yeye ni mejimi ani ko filma ma ko tao kaji ba jumu mu terrain ba joba mwenzele mujumu mubi mujumu bibi bwaluka to enito muno wende bien pato anu yeye mu katamuka muke ko mushindo wa kushuntulula ku malu ani kutuma bantu ba jumu wakulu kwenze ku mujumu we bibi bwanu yikompala chana ndaka bien 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 pato tosikila Bonjour, bonsoir à tous, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Genor TV. Vous êtes là déjà nombreux en train de suivre votre émission Kananga Parlons-en. Kananga Parlons-en, c'est une émission qui passe sur votre chaîne YouTube que vous aimez beaucoup plus. Aujourd'hui, nous allons parler sur les programmes de Chilejelu, lancé bien sûr par le président de la République, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au Kassai Central, précisément dans la ville de Kananga. Vous allez voir des images de là où on est en train de travailler dans différents sites circulés par votre chaîne pour vous faire voir normalement qu'est-ce qui se passe.
place, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment les travaux évoluent. Aujourd'hui, nous allons recevoir votre humble invité d'habitude. Il s'appelle bien sûr Landambi Kazaku, qui est acteur politique. Il va nous parler aussi sur ce qui concerne le projet Tchilejelou, l'évolution. Je ne sais pas, ça promet ou ça ne promet pas. Avec lui, on va beaucoup aujourd'hui parler en long et à large. Il va vous dire, selon lui, selon ce qu'il a fait aussi comme constat, selon ce qu'il a eu à parler avec d'autres personnes sur le plan politique, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que les projets n'avancent pas, est-ce que les projets avancent ou n'avancent pas même. On va se poser certaines questions que lui vous pourra quand même nous éclairer sur certains points politiques et aussi les points qui concernent la vie sociale de la population du Kasaï central. Nous allons d'abord saluer M. Léon Kandambi Kazaku. Bonjour M. Léon. Bonjour messieurs les journalistes. Bien sûr, nous vous recevons encore une fois de plus. C'est pas la première fois d'être avec vous. Oui, je suis très content. Ok, merci. Je suis très content parce que les émissions que nous avons faites la fois passée, j'ai eu des échos des États-Unis, du Canada et je suis très fier. Merci beaucoup, monsieur Léon Ndambi Kazaku. Nous vous rappelons bien, il est acteur politique ici dans la province du Kasaï central. C'est avec lui que nous allons animer cette émission. C'est notre invité de marque. Aujourd'hui, il va nous parler. Monsieur Léon Ndambi Kazaku, les projets Tchilejelou déjà lancés sur terrain, il y a eu des points divergents selon les vues de notre population. Il y en a d'autres qui estiment que les projets n'avancent pas. Je ne sais pas, selon votre point de vue, comment vous appréciez l'avancement, soit l'évolution de Tchilejelou lancé ici au Kasaï central? Oui, avant de répondre à votre question, monsieur le journaliste, j'aimerais bien faire une petite histoire de la ville de Kananga. Oui. Oui, cette ville anciennement appelée ville de Loulabourg, pour sa petite histoire, je vous dirais tout simplement que il y a eu création de la station Loulabourg par l'explorateur allemand. Ces postes-là, qu'on appelait de Loulabourg, c'était sur la rive droite de la rivière Louloua. Mmh. Et aussitôt que ce poste a été créé, nous devons dire qu'il a connu l'extension. C'est pourquoi les postes de Loulabourg s'est étendu sur la rive gauche. C'est ainsi que nous avons eu à parler de Malandima-Poulou sur la rive droite, mmh, et Malandima-Pamapia sur la rive gauche. Mmh. C'est ce Malandima-Pamapia qu'on peut, c'est ce qu'on appelait Kananga, mmh, Malandi-Wanchina. Mmh. Là, c'est sur la rive gauche. C'est de ce poste-là, cette station-là, Loulabourg, a été élevée au rang de la ville, mm-hmm, par une ordonnance de gouverneur du Congo belge qui s'appelait M. Pétion. C'était le 6 septembre 1958. Hein? C'est là que la station Loulabourg est élevée en ville. Oui. Oui. Aussitôt qu'il a été élevé en ville, lorsqu'il y a eu la table ronde en Belgique par rapport à la recherche de l'indépendance, mmh, à cette époque-là, nos représentants se sont retrouvés à la table ronde. Ils avaient décidé ensemble de faire de Loulabourg la capitale la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, compte tenu de la position centrale de la ville de Loulabourg, on aimerait bien déplacer la capitale de Léopoldville, c'est-à-dire Kinshasa, vers Kananga. Bon, c'est un projet qui n'a pas abouti. Cette ville de Kananga a été rebaptisée par le Joseph Désiré Mobutu, le président de cette époque, à Kananga. Donc, Loulabourg est devenu Kananga. Kananga, c'était
cette appellation, je vous ai parlé de Malandi Mapéa Mapéa. Oui. C'était comme ça que les autochtones appelaient cette ville, Kananga Malandi Wanchina. Mm-hmm. Mais les Belges avaient ignoré cette appellation-là, sous la conduite de, du capitaine Adolphe, oui, c'était le premier capitaine qui dirigeait la ville de Kananga. Et même Léon, le capitaine qui l'avait aussi remplacé. Ils avaient ignoré carrément l'appellation de la ville de Kananga, mais c'est Mobutu qui a rebaptisé cela pour que ça devienne Kananga comme maintenant. Bon, la ville de Kananga, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est une ville qui compte plus de 2 millions d'habitants. Plus de 2 millions d'habitants. Et sa densité est de 2315 habitants par kilomètre carré. Sa superficie, c'est de 845 kilomètres carrés. Okay. C'est une ville qui a un climat chaud et humide. Chaud et humide qui s'étale de cette façon, de mi-janvier à mi-février. Là, nous avons la petite saison sèche. De mi-février à mi-mai, nous avons la petite saison de pluie. De mi-mai à mi-août, nous avons la grande saison de pluie. Et de mi-août à décembre, de mi-mai à mi-août, nous avons la grande saison sèche. Et de mi-août à décembre, nous avons la grande saison de pluie. Mmh. C'est comme ça que ça s'est fait chez nous. Mais parce que vous me parlez de... du projet Tchilegelou. Je dois vous dire que la ville de Kananga compte 211 kilomètres de route. 211 kilomètres. 211 kilomètres de route. Hein. Oui. Hein? La ville, hein? Je dis bien la ville. Ok. Hein? Dans ces 211 kilomètres, il y a 59 qui est asphalté, mais aujourd'hui en dégradation. Hein? Oui. Il y a 150 quelques de terres battues. C'est cette situation-là sur le plan des infrastructures routières sur lesquelles nous allons parler. Mais je crois que le projet Tchilegelou est tombé à pic. Parce qu'on a fait, on avait 59 kilomètres de routes asphaltées sur la ville de Kananga. Hein? Dans le projet Tchilegelou, on parle de 35 kilomètres qu'il faut asphalter. C'est ça, non? Oui. Oui. C'est un projet qui est tombé à pic. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est une déception totale. Une déception parce qu'il n'y a rien qui s'est fait. On nous parle de 36 mois, les projets circonscrits dans les temps, dans l'espace, tout ça. Ils peuvent dire des histoires. Mais ce que nous voyons aujourd'hui... Bon, je m'excuse, monsieur Long. Oui. Vous avez épinglé des avenues qui était déjà asphalté, mais aujourd'hui dans un état qui n'est pas bon. Et délabrement avancé. Alors je sais pas. Les avenues qu'on a estimées pour travailler aujourd'hui dans les projets Tchilegelou. Je sais pas. Ça entre parmi les avenues qui ont été déjà travaillées, soit ce sont des nouvelles avenues. Oui, beaucoup ont été déjà travaillées, ont été déjà asphaltées, les autres sont en terre battue. J'ai dit qu'il y a des types de routes, oui. Les routes qui ont été asphaltées, mais qui sont dans un état de dégradation, sans commune mesure, et il y a d'autres qui étaient en terre battue aussi en dégradation. Donc tout est à refaire sur le plan des infrastructures routières sur la ville de Kananga. Disons, le projet Tchilegelou ne vient pas pour mettre la ville de Kananga dans son état jadis. Oui, j'ai dit ceci. J'ai dit que le projet tombe à pic parce que toutes les routes sont pratiquement abîmées. Abîmées sur la ville de Kananga. Toutes les routes sont pratiquement abîmées en dépit des quelques kilomètres que le Grexet avait fait ici. Hein, où on peut encore rouler à 40 kilomètres par heure. Mais le reste, on roule à 20 kilomètres par heure. Donc c'est pourquoi ce projet était bien accueilli par le Kananga, les centres kassaïens que nous sommes. Mm-hmm. Mais son évolution actuelle laisse trop à désirer. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi
avoir choisi l'entreprise grecque pour ces travaux-là. Parce que nous sommes allés voir les engins qu'ils ont. Ils n'ont presque rien comme engin pour ces travaux-là. Hein? Surtout quand il faut asphalter, ils n'ont aucun engin pour l'asphaltage. Alors vous comprenez que c'est de l'aventure, quelque part. Hein? C'est ce qui fait des problèmes. Alors, à qui on peut attribuer l'erreur ? C'est au président qui a voulu lancer le projet, soit c'est à la société d'exécution. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Hein. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, si nous comptons les projets qu'il a orientés vers la province du Kassai central, nous pouvons dire que sur le plan de réalisation, il n'y a rien. Permettez que je vous les cite. Hein? Oui. Il y a eu d'abord le projet des 100 jours. Aujourd'hui, si vous posez, vous êtes un journaliste, posez la question. Faites des investigations. Qu'est-ce que le matériel est en train de moisir à Lubondaï? Personne ne s'en occupe. Même pas le gouverneur qui est censé être le représentant du président de la République en province. Même pas l'Assemblée provinciale. Personne n'en parle. Le matériel est à Lubondaï. On a fait, je ne sais pas, il paraîtrait même que certains matériels seraient vendus. Je ne peux pas affirmer cela. Mais on doit regretter. Nous savons que nous avons un problème ici avec la SNCC. Hein? La denrée principale qui est le maïs n'arrive pas tellement à cause de ce qui se fait aujourd'hui dans cette société où il n'y a pas de train, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de locomotive et de consort. Mais on vous envoie le matériel pour pouvoir mécaniser l'agriculture, pour pouvoir faire adopter une politique provinciale agricole. Vous êtes incapable de faire ça. Vous voulez que le chef de l'État vienne ici pour venir piloter cela? Vous voulez que le chef de l'État vienne ici pour piloter le projet des 100 jours ici? Le troisième projet, c'est celui de Tshisekedi. Vous voyez comment il piétine? Vous voyez comment il piétine? Hein? Est-ce la faute du chef de l'État? Lorsqu'on fait la part des choses, et lorsque nous entrons même dans les discours du chef de l'État, il a dit une chose, il y a un problème de pilotage, il y a un problème de suivi et évaluation. Mais qui doivent piloter? Qui doivent faire les suivis et évaluations? Ce sont nos frères. Si vous voyez dans le projet de 100 jours, qui était coordonnateur provincial, c'est un fils centre kassaïen. Hein? Il est entré dans la bambou, les 32 millions volatilisés, il n'y a rien, la population n'a rien eu. Alors, le projet volontariste, c'est un projet du gouvernement de la République. Lorsque le matériel arrive à Kananga, qui doit piloter ça? C'est le gouverneur de province. Il n'en a jamais parlé. À l'Assemblée provinciale, tout ce qu'ils savent, c'est faire partir le gouverneur. Mais le matériel est arrivé, le matériel est là, Lubondaï. Est-ce que vous avez déjà entendu un député provincial en parler? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens n'accompagnent pas le président dans sa vision. Le problème aujourd'hui est qu'ils nous mettent dans une situation inconfortable. Surtout moi, Léon Dambi qui vous parle, moi j'étais le seul, quand on faisait la campagne, j'étais le seul qui avait un véhicule, qui avait un micro avec le haut-parleur. C'est moi qui parlais du président actuel, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est moi qui parlais. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre parmi les candidats. Ça, je l'ai dit. Et celui qui dit le contraire, puis vient à votre émission pour le dire. J'ai vanté. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on nous met, c'est inconfortable. Qu'est-ce que nous aurons comme un message en 2023? Ok, merci beaucoup, monsieur Léon Dambi. Juste une petite question. Vous dites que ce n'est pas au président, c'est au comité de pilotage, soit au gouverneur de la province, soit nos députés. Alors, je ne sais pas. Là, la question sera lancée. Office de la... Ils nous ont aidés en quoi? Parce que nous, peut-être, nous sommes à Kananga, nous n'avons pas de parapluie. C'est pourquoi on est là comme ça. Mais eux, qui sont dans les arènes de pouvoir, qui sont dans le pouvoir aujourd'hui,
ils nous ont aidés à faire quoi? C'est pourquoi je dis que cette dynamique, la population centre-kassaïenne, ce n'est pas n'importe quelle population. Je vais vous donner deux exemples seulement. Oui. Lorsque M. Kamer avait dit autrefois que Kassaï, c'est quoi? Est-ce qu'il est entré ici sur la ville de Kananga? Et de quelle façon? Lorsque ce peuple n'était pas d'accord avec les présidents de la République, je parle de Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila est entré dans cette ville quand le peuple n'avait pas voulu? Il est rentré par l'aéroport. C'est comme ça même avec nos frères là. Parce qu'ils ne nous ont pas aidés, ils vont voir ce que la population va faire. Cette population n'est pas dupe. Hein. Cette population centre-kassaïenne n'est pas dupe. Et cette fois-ci, nous allons imprégner la dynamique. Et vous verrez ce que ça va donner comme résultat. Oui, normalement, je ne sais pas, votre dynamique, c'est la dynamique. Quand ça, c'est mal, les gens qui vivent ici au Kassaï, soit vous avez encore ciblé certaines personnes qui sont ailleurs, mais quand même qui donnent quand même la volonté. Cette fois-ci, nous disons que tout dit appui là. En Chilouba, je dis bien, tout dit appui là. Nous n'avons plus besoin de tous ces gens-là. Ouais, c'est parce que les Kassaï, les gangs Kassaï, est beaucoup plus acquisé que la présidence est occupée par les Kassaïens. C'est ça ce qu'on dit. Et alors que vous... Ici, voilà, vous avez bien dit. Hein? Vous dites que ce sont les Kassaïens, n'est-ce pas, oui, qui sont à la présidence. C'est ce que vous dites, non? Moi, je ne le confirme pas. Mais alors, imaginez-vous que demain, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'est pas président. Mmh. Vous savez combien de pots cassés nous allons payer comme Kassaïens? Le fait d'être seulement Kassaïens? Mais nous avons eu quoi dans ce pouvoir? Rien! Rien du tout! Nous sommes avec toi. Dites-moi quel projet a été réalisé, quel projet a été bien fait. Rien de tous les projets que le chef de l'État a orientés dans cette province. Mais nous allons dire quoi demain? Nous allons payer les pots cassés pour rien? Ah non, nous devons mettre fin à tout ça. Alors, en 2023, le mauvais discours sera dans le sens mauvais du président, soit dans le sens mauvais de... Voilà, sur ce point-là, je dis que nous ne sommes pas pessimistes. Hein? Nous avons encore un an. Donc, nous allons demander au chef de l'État de mettre de côté les gens qui ne l'aident pas. De chercher à ce que tous les projets orientés au Kassaï central puissent être réalisés. Mettre les gens qu'il faut pour piloter ces projets-là. Parce que ceux qui sont là, ils font rien. Je vous ai dit des choses, non? Ils font rien. Ils font rien. Hein? Mais le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Chasser ce qu'il faut chasser. Nommer ce qu'il faut nommer. Et c'est comme ça que les choses peuvent marcher. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne sommes pas encore en 2023. Il y a encore un temps, un an. Nous attendons. Parce que nous, pour nous, aujourd'hui, nous voulons que nous ayons cette route bitumée de Kalambambouji à Kananga, que nous ayons l'électricité des chutes Katende. Nous avons besoin de ces deux projets-là. Parce que tout ce que nous voulons se greffer autour de ce projet. Monsieur Long, une petite question. Il y a une année que vous donnez. C'est bien. Une année, d'abord, le projet Tshilegelu prend six mois. C'est plus d'une année. Ce sont des histoires, oui. On vous raconte alors, des histoires. Alors Kalambambouji pourra aussi prendre combien? Vous pensez que dans une année, le président pourra tout faire? Ben, on commence. Comme les projets de bitumage, qu'on les commence. Comme les projets de Tshilegelu, il faut l'arracher. Au Grec 7, envoyer une autre entreprise qui peut bien faire cela. Mais c'est comme ça que les choses doivent se passer. Pourquoi on doit laisser ce projet à Grec 7 pour qu'il puisse piétiner comme ça? Il y a combien des érosions, de ravins? Vous-même, vous avez vu les dégâts. Vous les avez mesurés, ces dégâts-là? On nous parle de 36 mois, non. Ne racontez pas des histoires. Il ne faut pas se moquer indéfiniment d'un peuple. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas bon. Nous n'allons pas accepter cette fois-ci. Monsieur le Dabi Kassako, merci. Nous avons bien suivi. Vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube Yalor TV. Nous recevons bien sûr Monsieur Leon Dabi Kassako, qui est acteur politique, fils du terroir. Il est en train de parler sur ce projet. Je ne sais pas si vous avez à ajouter concernant notre projet Tshilegelu, concernant l'avenir de la province. Non, mais monsieur le journaliste, nous avons fait la ronde, non? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Tshilegelu? Est-ce que moi je dois dire autre chose que ce que vous avez vu? Non. Avec Grec 7, il n'y aura rien. Parce que dans les 100 jours,
qui ont été détournés. Grec 7 était dedans. Grec 7 devait faire, il devait faire, qu'est-ce qu'on peut dire, c'était le point chaud. Hein? Il devait réparer le point chaud de la route Kananga-Kalamamouji. Est-ce qu'il a fait ça? Ils ont bouffé l'argent. Sur la route Kananga-Mujimai, le point chaud. Même pas une bêche sur cette route-là. Et l'argent est bouffé. Et personne n'en parle. Et vous avez appris il n'y a pas longtemps qu'on leur a donné même le marché de Kalamamouji. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Et vous voulez que le chef d'État aille même dans la passation de marché public? Ah non, non. Ce sont des services qui existent. Ça doit fonctionner. Hein? Mas... Ça doit fonctionner. Okay, mas... Non, nous avons un problème. Nous avons un problème d'homme. Et je dis bien, nous avons un problème d'homme. Nous avons un problème d'homme parce que les hommes, les politiques centre-kassaïens n'aiment pas le Kassaï central. Ils n'aiment pas. On ne doit pas avoir des slogans. Mais l'amour se voit en acte. Demandez-leur quel acte ils ont posé qui fait voir qu'ils ont de l'amour pour cette province. Demandez au gouverneur intérimaire qui est là quel acte il a déjà posé qui prouve qu'il aime bien cette province. Il est là. Monsieur Kabouya est parti. L'excellence Kabouya est parti. Il y a plus d'une année. Il est là. Il fait quoi? Il a toutes les prérogatives d'un gouverneur. Il ne fait rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est aller à Dimbelene préparer sa campagne de 2023. Vous comprenez le genre de politique que nous avons? Non, en 2023, ils seront sévèrement sanctionnés. C'est moi, Léon Dabi, qui vous dis. Si Dieu nous prête vie, vous verrez ce qui va se passer en 2023. Monsieur Léon Dabi, vous êtes acteur politique de la province du Kassaï central. Le président, dans son discours, il a soulevé les problèmes des trois groupes électrogènes dotés à la SNEL, qui s'est plaigné que jusqu'alors, les trois groupes ne fonctionnent pas et la ville n'est pas éclairée. Comment vous pensez à ce que le président avait dit? Bon, le président a parlé de trois groupes, hein? Mais si vous allez à la SNEL aujourd'hui, vous en trouverez deux. Je ne sais pas là où se trouve l'autre groupe thermique. Mais les deux, depuis qu'on les a installés, ils n'ont jamais fonctionné. Ce que le président a dit, c'est une franchise, c'est la vérité. Il a dit vrai qu'il y a des groupes qui sont là, mais il y en a deux au lieu de trois qui n'ont jamais fonctionné. Alors, en tant qu'acteur politique, parce que ça a été une dotation d'un politicien, le numéro un du pays, soit le premier citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse récupérer le troisième groupe et que les deux qui sont là, qui puissent commencer à fonctionner, de sorte que la province soit éclairée? Ah, mais il faut que le chef de l'État ait une information. Lui, il a parlé de trois. C'est que, pour lui, il sait qu'il y a trois groupes thermiques à Canada. C'est que personne ne lui a jamais parlé de ces deux groupes qui sont là. Donc, vous comprenez? Quand il a parlé de suivi-évaluation, vous comprenez qu'il a raison quelque part. Qu'il n'y a pas vraiment un suivi. Et qu'il n'y a pas de rapport de ceux qui font cette mission de suivi-évaluation. Donc, je crois que dans l'avenir, s'il y a une mission qui est diligentée ici, je crois qu'ils vont donner un rapport conséquent par rapport à ce que le président a dit. C'est qui est vrai que ces groupes thermiques n'ont jamais fonctionné. Je crois que dans ce rapport, lorsqu'on va lui parler des deux, on pourra chercher là où se trouve le troisième. Alors, mais il n'est pas encore ici. Les défilés de... Peut-être qu'il sera encore en cours de route. Alors, les défilés de mode effectués par la délégation présidentielle, il n'y a pas eu rapport pourquoi les présidents nous évoquent ça lors de son discours. Ah, mais c'est pourquoi je vous dis que ceux qui sont autour du chef de l'État ne l'aident pas. Et ils sont pas, moi je peux dire qu'ils ne sont pas dans la vision du chef de l'État parce que le chef de l'État, il oriente des projets, mais au retour, il n'a pas de rapport pour lui dire que c'est fait ou pas fait. Pour lui, peut-être qu'il s'endort, il sait que ceux qui sont autour de lui font leur travail comme il se doit. Et maintenant, nous comprenons que toutes ces missions que les gens sont en train de faire ici, et ils viennent faire des affaires. Hein? Bah, moi, j'ai toujours dit que les diasporas, c'est bien. Hein? Ils peuvent venir nous aider. Mais les vrais diasporas, c'est celui qui apporte les capitaux qu'il a eu
pour venir investir ici. Tous ceux qui sont autour du chef de l'État, c'est pour s'amasser de l'argent et penser à leur famille en Europe. Ils n'ont pas besoin de nous ici. Ils n'ont pas besoin de nous, ça c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de Canada? Hein? Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi je vais vous donner un exemple. Hein? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un fils aux États-Unis. J'ai des filles en Afrique du Sud. Ils sont allés à très bas âge. Vous croyez que ces gens-là, ils connaissent les réalités de Kananga? Et pourtant, ils sont de père et de mère. Hein? Oui. Hein? Comme les fils-là. Il doit parler plus États-Unis. Les filles-là vont parler plus d'Afrique du Sud. Parce que c'est là qu'ils ont passé toutes les vies. On peut les amener ici. Ils ne seront pas comme Léon a mis leur père. Parce que moi, je suis là, je connais les réalités, je parle de ma vie, je parle de ma province. C'est pourquoi moi, je n'ai pas tellement confiance au diaspora. Ouais. Seulement, si un diaspora vient avec l'argent investir, ok, nous sommes d'accord avec lui. Bon, mais qu'il vienne travailler ici, ah non, c'est pour amener cet argent, ramener l'argent en Europe. Ouais, il va nous servir à quoi c'est ce monsieur-là. Même s'il est de père et de mère. Je m'excuse. Partant de votre exemple, si vous êtes aussi gouverneur, vous allez aussi appeler aussi les autres, les enfants, pour qu'ils puissent venir travailler et aussi nous rendre les mêmes résultats. Je vous dis que quand, même s'ils viennent, moi je les appelle ici, ils viennent travailler ici. Ils vont penser plus là où ils viennent. Mais je vous dis. C'est comme ça que les choses se passent. Hein? Ne croyez pas que les diasporas peuvent nous aider. Non. S'ils veulent nous aider, qu'ils amènent l'argent ici pour investir, comme en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, M. Léon Ndambi. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Si vous pouvez dire quelque chose qui vous reste, et puis nous allons clôturer l'émission pour aujourd'hui. Oui, les derniers mots, on en a beaucoup. On n'a même pas un seul mot, on a plusieurs mots. Donc, nous disons que nous interpellons les présidents de la République. Parce que c'est lui le garant de la nation. C'est lui le garant du bon fonctionnement de la République. Bien sûr, nous avons noté avec satisfaction les quelques projets qu'il a orientés vers nous. Mais ces projets n'ont jamais été à réaliser. Est-ce qu'il n'a pas de rapport de la part de son entourage? Et s'il a des rapports, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pourquoi nous l'interpellons. Hein? Pour le projet des 100 jours, nous voulons voir aussi les gens être déférés en justice. Les gens doivent être jugés quand même. 32 millions, ce n'est pas peu de choses. Nous devons voir clair qu'on peuple. Et il a un contrat social avec ce peuple que nous sommes. 100 jours, il n'y a rien. 32 millions, volatilisés. On s'était. Il n'y a rien, on ne sait pas ce qui s'est passé autour de ces 32 millions. Le projet volontariste, le matériel est à Lubondaï. Pourquoi ce projet n'est même pas commencé? Pourquoi on ne commence pas à mettre en œuvre ce projet pendant que le matériel est là? C'est pourquoi nous interpellons toujours les chefs de l'État, qu'il essaye de changer les gens. Et les gens sont là autour de lui aujourd'hui, les Kassaïens. Si demain il n'est pas président, nous allons payer des pots cassés. Le fait seulement d'être Kassaïen, on va encore nous maltraiter davantage. Parce qu'à l'époque de Mobutu, les régimes de Mobutu, nous avons été laissés pour compte. Ne parlons pas du régime de Kabila, il n'y a eu rien. Mais aujourd'hui que nous avons Félix Antoine Tshilombo comme président de la République, voté à presque 100% dans cette province. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi avoir droit à quelques projets réalisés pour le bien-être du peuple centre-kassaïen? Je crois que nous avons ce droit-là. Que le chef de l'État fasse un effort pour les temps qui restent, pour que nous ayons l'électricité de Chitkatembe, pour que nous ayons une route bitumée de Kalambambouji. Je crois que les deux projets ne suffisent. Même si les autres ne sont pas faits. Parce que les autres projets vont se greffer autour de ces deux projets-là. Et c'est là que nous pouvons même voir les bouts de tunnel. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il a sa part des responsabilités, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme garant du bon fonctionnement. Hein? Comme garant de la République. Comme chef de l'État.
Parce que tout tombe sur lui, parce que c'est lui qui a fait le contrat social avec le peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, et à nos frères qui sont à côté de lui, qui aujourd'hui, ils sont en train d'amasser de l'argent pour qu'ils viennent en 2023 faire la campagne ici. Nous leur disons que nous allons leur barrer la route. Qu'ils sachent que nous allons leur barrer la route. Ils sont en train de nous paupériser pour qu'en 2023, nous puissions les acclamer. Et en revanche, ils vont nous donner à qui 1000 francs, qui 2000 francs, et nous allons les voter. Non, cette fois-ci, ça ne va plus marcher comme ça. C'est pourquoi nous sommes encore optimistes pour le temps qui reste. Que le chef de l'État s'amende parce qu'il nous met dans des conditions inconfortables. Nous risquons de manquer un discours en 2023 et c'est pas bon. C'est pas bon. Merci. On ne doit pas être fanatique, mais on doit voir les réalisations. Merci beaucoup. C'est comme ça que nous devons, c'est comme ça qu'on fait la politique. Merci beaucoup, monsieur Léon Dambi Kazakou. Vous êtes acteur politique. Vous étiez notre invité pour l'émission d'aujourd'hui. Vous êtes partout en France, aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes en Belgique. Vous êtes en Chine. Vous êtes partout. Vous aimez votre province centrale. Nous étions dans notre émission Kananga, parlons-en. On parlait des projets Tchilé-Gelou avec notre invité du jour. C'était Léon Dambi Kazakou, comme on vient de le dire. La prise d'image était l'œuvre de King Mweshi sous la supervision de Frank Ojivadol. Il est lui-même le manager de la chaîne YouTube. Je suis Florent Kasonga Mumborabeya qui était à la présentation. De vous abonner massivement et faire abonner aussi les autres. Et ne pas manquer à soutenir votre chaîne YouTube Gelor TV afin que vous puissiez vivre l'ambiance, soit les événements qui se passent ici chez nous, Kassai Central, soit à Kananga. Nous vous disons grandement merci et bye.